purchase your tracks today. Kati Kapesa TV, Kati Kapesa service traiteur, chef Kati Kapesa Netazi. Blessai, Yoga, Judy et Davalida, Fumukoi. Kati Kapesa TV. Tu as pas la commode. Kati Kapesa TV. C'est là où je vais me prendre. Kati Kapesa TV. Kati Kapesa TV. Tu as dit qu'on souffit. Service traiteur, Kati Kapesa et Kopesa ma solo. Mote malé au sommet, Kapesa et ah, a solo la kabia. Soko koutani na ye, oko zara de cité. Kati Kapesa et na pesa yo nini ye. Kati Kapesa et mote ma malamou. Kati Kapesa et. C'est un cadre italien sous États-Unis et Sibandini. A Kandi Masolo, Madame Kati Kapesa, service traiteur Kati Kapesa, chaîne YouTube Kati Kapesa TV. 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 Petite sœur propre, petite sœur chérie, il y a Madame Eliane Nitu, la patronne, il y a service traiteur, la Providence à Paris. Olingoli Angulu à Capella, Tabayama Tongue, restaurant Kati Kapesa, service traiteur Kati Kapesa, pour la mariage en Abino, pour ça la commande, pour que ça la dessuté, Yunan Yoboya, Madame Kati Kapesa, Mote Mamalamu, Utaya Nzambia. Kati Kapesa TV. 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 Kati Bonsoir chers internautes, ça dépend du pays et à l'ère dans laquelle vous nous suivez. Moi c'est Joyeux Elenga, je suis animateur de cette émission à caractère politique dénommée Couloir Politique. Alors dans la Couloir Politique, nous sommes là pour exposer ou soit exhiber certaines réalités politiques et l'actualité politique en République démocratique du Congo, précisément dans la ville, province de Kinshasa. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis heureux de recevoir un grand monsieur parmi nous, mais je vais prendre le temps et à vous présenter Binoye au fur et à mesure que vous développez Kalamingité. Alors, Lelo, Toza, Naesengwe, Koyamba, Bino, Toza, qui va message et belé, Namusika, Ndenge, Chen, Kati Kapesa, ça fait un temps pendant cette période de la Covid, Tobanaï, Kotournete, vu la réalité, mais nous sommes de nouveau de retour sur. Notre page Facebook, beaucoup qui est Instagram, notre compte Twitter, partout nous sommes là et nous sommes là pour vous apporter tout ce qui est de réel en, dans le domaine politique dans la ville de Kinshasa. Alors, Lelo, tu as aussi un abonné sur la chaîne Kati Kapesa, il y a Kokota, Kolanda, Peko, Like, ma vidéo, surtout autre banda, Kolekisa, Natang, Nyons. Comme je venais de vous annoncer cela tout de suite, Nayambi. Mopayamo kwaza pembe nangai onaye Karel Kasembele. Karel Kasembele mbote nayo mbote papa journaliste Joyeux Elenga basongo boni ya malamu eza kotambo. Oui, nous sommes là, nous sommes d'abord très contents d'être invités sur ce plateau de télé et puis toye awana esengonyoso ko participer na maye lepe makanisi na biso na ndenge mboka zali kotambola et malgré l'embouteillage qui est à Kinshasa, Nzebanzela et Koufi, c'est Koufa, mais quand même, Nzambasa Lingolo, Tokomia.
Je tiens ici à signaler que M. Karel Kasembele était une personnalité aussi dans ces domaines de la communication. Il est notamment aussi coordonnateur, il y a AS Bel Moko, Tobengi Nakombo, oui c'est possible. Azalipe coordonnateur, il y a Fondation Moko Kombo Nango Pacifique. Et à part ça, c'est aussi un journaliste d'investigation, PASA, analyste politique. Alors, lelo elongo na ye tokozana makambo ebele ya koloba pe tokokota na mozindo ya ba makambo nyonso za kosalema mikolo yo na makambo etali politique na mboka na biso. Na banzi ba kisango ya sika ezali? Ah oui, comme Tomisana, comme papa Lingauti Koloba, je suis bel et bien monsieur Karel Kasembele, coordonnateur de la SBL Oui c'est possible, qui est une SBL permet aux Congolais de comprendre que c'est possible de faire de la RDC un pays bijou que nous avons toujours voulu avoir. Je suis également membre de l'UDPS et puis coordonnateur de la Fondation Pacifique DB, une ONG qui a comme présidente Madame Dani Bokombe, qui a son siège dans la commune de Lingwala, sur l'avenue radio numéro 13. Donc c'est un peu... l'homme de Karel Kasembele que je suis. Na boyo kibino moko mwana mboka Karel Kasembele azali pe molobeli moko ya ba kombata ya parti na biso ya monene otobengi IDPS union pour la démocratie et le progrès social. Na boyo tokokota nae na mozindo kati na makambo nyonso ezoleka na politique awa na mboka na biso RDC. Na boye mokolo ya lelo tozana makambo ebele ezali koleka oyo tosepeli mingi tozwa oyo eza ya motuya oyo eza kosimba pe koningisa mboka na biso. Boyebi ete bino baoyo bozwami na mikili ya poto toyebi ete ntango nyonso bozwamaka liboso ya baetando na bino pe mingimingi na ba réseaux sociaux pour suivre toutes les informations en actualité en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Et ces derniers temps, il y a certaines choses dans le monde politique qui ne cessent de prendre de l'ascenseur. Et nous avons bien voulu aujourd'hui, ensemble, avec M. Karel Kasembele, pour pouvoir des fois amener quelques pistes de solutions. Pourquoi pas proposer aux encadreurs ou soit aux autorités des pistes de solutions pour qu'il y ait un changement. Parce que, bisogno surtout, tout ça pour espérer car la kembo cannabis est bon. Même à Tabino, Bozami na poto, balandi à chaîne YouTube na biso katika pesa, Bozali bipa ina bipa. Il souci na bino zaka. Tango isu ya kweba ma kamboni ni mai. Ezako le kanakati yambo kanabino. Alors mon koloalelo, to lingito to kolobela. Basi je oyo ya liboso, toza kolobela d'abord clash ou ezali entre gouverneur ya ville à Kinshasa de Kojantini Ngobila Mbaka. Na moto ya landie na sima oto bengi Nerombungu vice-président na ye. Pe tokolobela isusu makambo o etali division entre ba journaliste ya cash na FC na Union Sacrée. Ndenge nini ezo makambo ezo sale madwa ba journaliste ya Katumbi na ba journaliste ya Fachi. Ezala makambo ebele koti na kati tokokota na mozindo biso nyonso. Pe tokolobela isusu makambo ya gouvernement ya Sam Lukonde. Bino moko boyebi bipai bozwami toza kozela makasi gouvernement oyo banda to bandi kozela toyebi te nini quelle est la chose qui empêche pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas normalement comme prévu. Alors ensemble ndeto okota na mozindo na boye nangi déjà na pesa maloba na ndeko Karel po mingi ya kolobezali azana makambo ebele ya koloba po eta sunga biso na bino bao bozali banda bososola nini ezali koleka ndeko Karel. Oui. Na makambo etali ndeko na biso Jantini Ngobila na moto alandie na sima oto bengi Nerombungu. Likambo nini ezali po tozomona mikolo oyo oya leki na TV na tangu na ye alobi oya tindi batu na ye alobi ndeko Nerombungu akoti na betando alobi ete musala wana akini bopeto batikala kointerese ngai te mokonzi Ngobila asalaka makambo na ndenge na ye bana mboka balingi bayeba yo moto zaka na esika wana mingi mingi. Likambo nini ezali kati na bandeko mibale po toza na posa mboka na biso ebongo toza na posa kisasa ekoma malamu bao baina po to pe bazonga bafana na kimya kasi likambo nini kati na bakonzi tozo comprendre te yango likambo yango ezali bona. Merci beaucoup papa Mopandi Sango pona motuna na yo. En ce qui concerne makambo ya koleka na hôtel de ville entre le gouverneur Jantini Ngobila na monsieur Nerombungu, un vieux avec qui nous avons de très bonnes relations,
Moi, j'aimerais juste être vraiment être parce que l'eau que ce bon mambo cannabiso et allé d'abord manque y a vision et pas à battre ou à comme à caba cambi ambo cannabiso. Il y a des gens qui accèdent aux fonctions de l'État sans pour autant avoir une vision avant bakoma place wana ya ngondo mona katong bakoma kawana lokola bango bayaka kana na makanisiye ke na koma na dans le pouvoir pour le pouvoir na koma wana kaka po baye bake na zali mokonzi na koma ki ministre na koma ki gouverneur na koma ki boye voilà pourquoi mona ka makambo belé o esa na politique puisque réellement les gens qui viennent ou qui accèdent à des fonctions politiques ne sont pas de fins politiques, ce ne sont pas de politiciens bien préparés. Alors, ma cambodgienne le cas na gouvernerait à Kivile à Kinshasa, le fond de problème entre les deux messieurs, on ne sait pas. Moni mingi mboka na biso zalaka, batumi balo bazaki na bolingo, bazo vivre bien, mais ceux qui kaka ba welele ko moko, tant bala ko vivre bien na bolingo bino boye ba kité. Mais tant ba weleli pilipili to tomate na nzungu ko kité wana bino batali banda boye, mais tant bala ki misuni bino boye ba kité. Mais dans ce que nous voyons, en tant que analyste, il y a circuit politique, puis il y a mode de vie à Kinois, nous constatons que réellement, la ville de Kinshasa est très mal gérée. Il ne faut pas venir de la planète Terre, Mars ou de la planète Jupiter pour comprendre que les choses ne valent pas bien ou ne marchent pas bien à Kinshasa, mais ça se voit à l'œil nu que la ville de Kinshasa est très mal gérée. Et moi, je le dis ici, permettez-moi l'expression, M. Gentili Ngobila est un gouverneur très incompétent qui ne mérite pas de diriger cette ville. Très incompétent, Ndengeni Motoazo Sa Moussala et Zomona Nakini Bopete. Je vais vous dire, comment je suis dit que Ndengeni, je suis dit que Ndengeni, je suis dit que je dirige. Na moni ba fai na lobi ngai na ko kene ko senga ba kino ba pesa nga bokonzi po ete na ya ko bongisa ba fai place mutu oya sala ki mabe awa wangana sala malamu place ameka ki ko sala mama malamu akoma kite awa ngana ya ko sala malamu mais soki yo tali lo lenge Kimbuta André Kimbuta yango a dirija ki vilo ya Kinshasa na lolenge oyo Gentili Ngobila ko diriger ville Kinshasa ozali ko mona bokesenezali makasi voilà bokesenza makasi parce que Kimbuta tika kimboka na 0 mais Gentili Ngobila aya comme si mboka na -10 bokesenezali po te Kimbuta Gentili Ngobila abominde mboka oyo ya Kinshasa abominde ko boma ville ya Kinshasa na yango kuna na kati ya gouvernorat ya ville ya Kinshasa yena mokitani na ye yena mulandisani na ye Nero Mbungumbungu bazali koyokana te po ete ye Gentili Ngobila azwi pouvoir nyonso alati na nzoto na ye moko akomi civil ya Kinshasa o lokola cop yena na vice gouverneur balobanaka te. Où avez-vous vu ça? Dans quel pays du monde où vous voyez? Non, attendez, j'ai fini ici, monsieur le journaliste. Où avez-vous vu un titulaire mais bien avant que le D assume la fonction, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Babanda qui kosolo là, oui. Mais oui, c'est Babanda. On est allé bolingo, il y a bandeli à couple. On y est surtout lingu moi c'est sika. Beaucoup Babanda vous allez bien, besoin nakate, mbate zalakate. Kobenga nakata monyoso. Kosolo la kaya monyoso. Ceux qui m'ont bon vous allez au tindelier. Maintenant on va commencer là. Ouais c'est quoi y'en bas arrêté. Bolingo asika moi c'est bien makayani ni naji après 2-3 jours akombe oyé obese mai c'est ce qui se passe dans ce pays. Alors pour revenir maintenant dans la réponse nangai c'est que ndeko Nero Mbungumbungu na zali ko côté la été mais si nous regardons et nous suivons ses réclamations il a raison n'est-ce pas que les concepts Kinbopeto étaient concepts vides et creux. Non, il ne faut pas dire qu'ils sont vides et creux parce qu'on est en train de voir quand même certaines réalisations. Quand vous descendez sur le terrain, on peut voir là quelque part, il y a des poubelles par-ci, par-là. Bon, donc, je parle dans le sens que... Non, ici c'est une question de vie et de mort. Vous savez, gérer
la ville de Kinshasa ne pas gérer la maison, ne pas gérer une maison ou une boutique ou un bicoque. Non. Aïe, Libye, son la tabine, non, ok. Azala qui moutou a bongi, ça m'a quitté, non, que gérer ville. Quand tu l'es venu, avec tout ce que Kimbout a fait dans cette ville comme méchanceté, mais tant que j'en tiens, il y a une ville à Kinshasa. Plan naïe, le plan, quel est le plan? Il y a Kobongi sa ville, il y a Gentilin Gobila. Exacté. Il y a des décisions. Il y a des proposés, bisous à un projet à Kinbopé, tout ça. Nazo, 80% il y a ba population ba viva kanaba commerce oyo to benga kaba petit commerce ba sala katé misala mboka na biso za pina mingité ba batika kana ba balabala malewa nguba Thompson mapa na balabala yo yemba la moko mukonda mboko komi le lobby to buka ba mesa ona nyoso ba mamona ko tsa bango wapi o moni ka zaki na planté ce qui mudela ki na plan lokola ngai na koya na lobby bon ba mamona ba zoteka na balabala solution moko na zo zapona bango na kota bango bino so esika boye ce qui na tie bango esika wana na lobi ba mama le zali le 1er janvier ti le 30 mars to tikile bino 3 mois bo bonga maka pote to kobenga bino na balabala to kota bino esika boye parce que vie nationale ezali ko se reposer na ba commerce wana miki wana obongisi bango déjà na esprit bazali ko bongama to za le 1er janvier to koma le 10 le 15 février le 15 mars le 31 mars bako benga na biso mais yo yemba la mako obandi ko buka mais ba mesure yango pe ezalaka ba mesure o etika ka perpétuelle parce que comme on a ba policier ba li censé ko encadre ba mesure wana e ba komisa yango cop o pesi 1000 francs ba tiki yo teka au PC 2000 te babuki mesa na yo mais soki babuki mesa ya maman ba tulelo lobi maman na zongi si a PC 1000 francs ba tikié le ba PC 1000 francs te babuki mesa na ye ya ngwande ville ali ko bonga bongo to ye na projet wana Kinbopeto mais attendez est-ce que ville ya Kinshasa natanga Kimbuta natanga siko yo zali ko mona bopeto nga na mona bopeto bopeto ezali ki ko ebongi ko buka lo kuta de ko jantini ngo bila zo sa quand même musala ezo mona na miso ba po asali mo makambo eza ya malamu ezo mona na miso ba ko mo pandisango zali mutu oyoyo akendaka a récolter ben information a e a traiter yango pe a diffuser yango tant oyo zali ko loba ete Kinbopeto zali ko simba tozwa kamera na yo to tambola wana ba to na bandala to koma awa wana parking ya mula fulu o ezali wana solo soki ozali koleka wana ozana cash nete to bombi zolote lobi okoki kokufa lokola ngai bweda kokaka solo ya salite te na koki kobela deja na bela typhoid na sala na hôpital 14 jours po ete solo na ville ya Kinshasa eleki to kena awa na sayo zando oli pona nina kangi zando Baba kanga izando pona misale so, bana iko salim. Akangi zando po etalobi salite leki bosoto leki na zando. Me bosoto ane koma kindenge nini? Soki Kinbopeto ezalaki concept moko vide de te. Kinbopeto ko simbate parce que ba mesure d'encadrement ezalite ba mesure d'encadrement et d'accompagnement et vision en ezalite. Nako peso un deuxième exemple. Nanda kisa wana. Nako peso un deuxième exemple. Yoka exemple na Kinbopeto. Yoka exemple na Kinbopeto. Ba tozalaka na ba station moko ezalaka ba banda ko tia bozu ba poubelle mituka ya Kinbopeto banda ko yozwa ba poubelle tout ozobwa kango esika songolo ba ye ba toki yango nyoso. Tu mwaka mbona nyoso tu esalemi ya tomoni yango na misu. Nazali. Ba realite wana nyoso tu tomoni yango. Ce sont des choses qui sont très très inefficaces. Ezali ko simba tena ko peso exemple moko nda kisamoko ndeko gentini ya ye wa lobby po na ville bonga akopesa bourgmestre nyoso $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 o kindo kite ozui commune lokola commune ya Kinshasa ezali ya Kitambo c'est la plus petite commune de la ville de Kinshasa o pesi bourgmestre nango $10,000 po assainir ozui commune lokola commune ya Maluku commune ya Maluku ya ngomoko eleki toutes les 24 les 23 communes restantes eleki ngona munene ozui pe $10,000 pesi bourgmestre commune ya Maluku ozui $10,000 pesi bourgmestre commune lokola commune ya Mukio musu lokola Ngiringiri opesi pe $10,000 et pas bourgmestre commune ya Ngaliema ozali ko za résister za résister moko nzela banzela nyoso ebukani ya wawa partout ba poubelle est-ce que ozali komona
gentil ngobela ko dirigeant mboka o bien te mais azwa kambongo Kinshasa eza na mbongo bako sabino te siko seke likambo ndeko siko ne rombungu voilà eza likambo ko kambongo seke eza likambo mbongo nde seke ko ne rombungu ndeko ne rombungu qui est un vieux o na sura na pe bien même gentil ngobela c'est un vieux en moi na pesi ndeko King Samuel wa ali pembeni na ye wana mbote baza bato to sura na bango bien mais kasi na makambo etali mboka amitié ezalaka te au moins mbala sima nazalaki na mboka ya Dallas tokendaki kaka na makambo ya musala soko olongwe okangi misu na Kinshasa olamuki na Dallas tu peux avoir les pensées que tu es maintenant au paradis mais tu n'es pas au paradis tu es sur terre mais oyebi Dallas wana pe koma bongo kuna na moni place moko muli les athées pour koma bongo ba ange tende ba kitaki ba salaki yango ce sont des humains comme toi et comme moi bato ba qui conscient na musala oyo ba sengeli ko sala pona mboka mais mbongo o jantiningo bilazo akana vilo asala kana ngonini kasi mbongo wana yango de tozomona ba tseli ba projet ao sala misala o tozomona ba kinbo pe soki to fongoli misu te soki bino ba pandisango bo fongoli misu te bolo ba bosolo mbo dezo mona mboko soki mbule beti em studio na bino so tambula so mbule beti tu nabiso batutofanda kana bakinga bwa batutofanda kana bakomine ya Kinshasa na balikomine ya lingua la tofanda ko pa ami mbule bete lio ifola le pana epo pesa ko tsalo ko libanda ezate mais baka niveau etondi na basa yoka decision mso otu ko zoa jantini ngobila oh batbateka ka basacha ba opi ba nani batika mais nzambe na ngai na lobi boye yango jantini ngobila oyo jantini ngobila jantini ngobila je vous dis c'est un fossoyeur ou bien fossoyeur dans mutu oyo ayaka kotimbola libulu pa boma dans mutu deja bokufaki na bino maintenant bakundi bino te mais yesu ko kotimbola libulu ndepo aboma akunda bino bo limwa na mokili kimbuta boma kibiso mais tokufaki na nute tozalaki na nasia mabele te mais jantini ngobila siko oyé ayende ko kunabiso malamu malamu et je vous dis tant que Ngobila sera gouverneur de cette ville Kinshasa kobonga kate po azande na mayele wana bon excusez ngai peut-être moi neza makasi mingi azana compétence wana te ya kobongisa mboka o azana vision te il n'a aucune idée Sukolikambo ezawa le vrai problème est celui de savoir qu'est-ce qui cloche entre le dé est-ce que c'est une affaire qui d'argent cloche, oh, tant monsieur César ce qui cloche entre le dé ce qui cloche entre les deux na été azongi pour à réclamer par na na le grand ce qui cloche entre les deux je vous ai dit ici au début que je ne connais pas le fond de leur problème mais visiblement ce que nous voyons ezali que le vice-gouverneur est en train de déplorer du fait que le gouverneur de la ville a considéré qu'a été. Le gouverneur de la ville prend des décisions sans pour autant qu'on informe. Ce qui gouverneur a dit qu'on voyageait, a dit qu'il a dit censé à ça là intérim, il y a gouverneur, il y a le vice-gouverneur. Mais le gouverneur choisit des sujets spécifiques. Aroti kele ka yo otikali na interim ka rapport na point O na point O. Mara mususu ko kota te ko simbate et a repeter ce ordre na équipe gouvernementale na e baba na kosa lokola ba ba komi jibe na wera ya gouverneur ya vice gouverneur. Alors le vice gouverneur a moni que awa na zasu na tina te na zasu na valeur te. Alors a meki ko solo la bon wale zali ndenge selon le témoignage ya il y a vice-gouverneur, parce que le gouverneur n'a pas communiqué sur cela. Mais le dernier vice-gouverneur a l'objet été... Gouverneur a dit qu'il y a des dircaps dans la lande qui est dircap dans la lande. Écoutez, les dircaps d'un gouverneur, c'est un vice-gouverneur. Un dircap a coquille qu'il y a été, a bandé qu'il dénigré vice-gouverneur. Ce qui dire qu'à l'équipe on a dénigré vice gouverneur sans qu'il y ait une sanction et pas un gouverneur, c'est que c'est le gouverneur qui a envoyé son dircab pour te améka à lobé la vice gouverneur. Bon, alors ce sont des choses. Bon, de toutes les façons, moi personnellement, ça ne m'arrange pas de voir des dirigeants de notre pays entre bon, alors que biso de besoin de kambouana te.
tozane na posa na yengo bila na ye ne rombo ba bongisa nde Kinshasa ba ko ko créer ba entreprise pona mboko salité wana to mona ka fulu wana on peut créer usine na ba transformation ba déchets wana e ba niko ko tsamboka na mbongo na mboka oyo mikio ba zolo ka misala mosala mais oui ye a ebi neka ka ko mona gouverneur kuna kei donc ndenge ba zaboe et loko kimbuta leki njantini ngobila ezaka ko bina Kimbuta lega qui est na kobina. Mais ce que y est gentil, y est gentil ngobila siko aleki Kimbuta ndé na kota bosoto. Bango mi balé bazala bango kaka ndenge moko. Alors si réellement moi ici c'est là où j'interpelle la conscience de nos députés provinciaux. Vraiment si vous aimez ce pays, nous devons sanctionner tous ces mondes en 2023. Ndeko mo pandisango. Oyebi ete tout ça n'a devoir mon corps moral et puis naba génération ekolanda nous allons rendre compte na gestion na biso ya lelo. On ne peut pas laisser le pays comme ça. Nali ko senga na papa Gentil Ngobila limbisa ngai soki omoni na beti yo boye mais ezali bosolo pour changer ba ko liko tambo samboka o mabe mais ape faute na OTP peut-être ape ali faute entourage non pas bino ba kondo mais sana kaka okomi mo konzolo za bato bazali mayele. Oh bah oui comme même là yo en plus yo suis une bah pire petit aussi bah master noya poto oh bah zingi yo ana on y copie sur vos bah conseil zangatina oh tu bien na Kinshasa ningala biso ya Kinshasa bah conseil à patapuni à les bosu y ango oh comme fais-toi entourer de personnes intelligentes ayant une vision pour t'aider à bien gérer cette ville. Bouti bongo kolanda mwana mboka Karel Kasembele wa sili koloba makambo na o etali mosala pe makambo iko tambola te kati na Gentil Ngobila pe na moto wa mulandani na yo tobengi Nerombung. Eloko amukuse tokolo ba ite. La ville de Kinshasa n'est pas une propriété privée à Ngobila. Ce sont des choses qu'il faudrait retenir. Notre ville a besoin de changer. Et de quelle manière nous devons changer notre ville? C'est aux autorités compétentes de bien vouloir prendre conscience et de changer les choses. Jusque-là, dans le niveau de Tokomi, Ngobila sale est le côté. Si vous sillonnez partout dans la ville de Kinshasa, vous allez voir que Mabe et Leki a Mingi, Solo, Bokono, ba Malaria, Bangungi. Donc, à Memelibisonde, Koufande, Lissousou. Alors, nous demandons aux autorités. Ce message est adressé aux autorités. Prière de bien vouloir revoir les choses bien avant d'agir. Ba décision bouti ko zwa ba to ba chasser ba te kali susuté. Comment est-ce que ces gens vont vivre pendant que vous êtes dans des conforts? Bozolinga été ba to bazobika na yango batika. Mais trouver des solutions qui sont adéquates. Comme ça les gens pourraient avoir des choses à faire nesika batika la rana ba balande la ramalo banabino. Opeki simai kanga ba izine papa. Opeki si ba chasser bino moko ba kunzi. Vous êtes les premiers à pouvoir signer pour que les choses importées entrent ici dans notre pays. Donc, avant de faire ces choses, il faut tenir compte de la population. Ce qui est bien, c'est que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Alors, nous prions, nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de se faire. Moi, je suis Karel, je suis en train de se faire, je suis en train de se faire, je suis en train de se faire. Quelque part, je suis en train de se faire. Ba sango bango tomoni ba komi tango iso kotia ka pression na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi kala mingi te atoti komona bango ba uti koloba te mokonzi ya mboka ebongia zo ba disposition bonga mapoeta bongisa ba election na 2023 siko na lolenge makambo ezo kende vu l'évolution et les réalités actuelles est-ce que to banza ete makambo na election eko salema to makoki eko sala yango ezali to mosolo ya ko organiser ba election ezali ndenge ni likambo ango. Merci beaucoup de vous joindre. Pour la mutuna qui toko, ne pas écouter tes questions aux questions. Mais balobagayet vous pendez sans onda à tout na question. Maintenant la rigo tout na haute. Mais sur na essengi na tout na yo. Oliaka to ebik oliaka. Est-ce que pour yo olia essengi na rappelo yango? Na pour rappeler au tek yo essengi na olia. Yango wana mokonzi yamboka. Oh, il a prêté qui serment le 24 janvier 2019, a prêté qui serment en tant que garant de la nation et bon fonctionnement des institutions du pays. Le président de la République a yébiété et s'est organisé l'élection en 2023. Il le sait très bien, là de 1. De 2, le président de la République, c'est un légaliste. Un légaliste, Zali Motoyo,
atambolaka na kolandisama mibeko ndenge mibeko esengeli. Troisièmement, le président de la République qui a farouchement combattu les antivaleurs de l'époque de Kabila, qui a exigé à son temps le respect de la Constitution, ne peut pas lui-même braver son propre combat. Je suis en train de venir. Nguya azwami na pari azotu nabi tunela biso ndeko Karen ya solo penza ba election ko sale matwe ko sale maté ndeko jemima yango nazali ko répondre pour bino bozali ko landa biso en direct na YouTube na lobby été le président de la République a yebi été esengeli ko sala election mais yambo to koma na election en 2023 nous sommes au mois d'avril 2021 est-ce que esengeli to boma Congo to boma batu bakufa nzala Topo mamboka to tele misamboka pona ko préparer 2023 soki ngana yo ko bana sikoti 2023 to kufi na biso batu bakufi le président de la République na mutu na ye azana na charge ya ko bongisa le social ya peuple congolais na mokolo na lelo na 2021 na mokolo ya lobby na 2022 et puis na mokolo na lobby na 2023 maintenant dans la foulée le gouvernement est censé aussi mettre de la rampe de côté pour organiser les élections en 2023. Mais avant d'en arriver là, et avant d'arriver là, il y a de préalables. L'exigence de nos frères de la CENCO ne sont pas mauvaises. Ils appellent ma bête. Ça va, Congolais, ils ont le même droit que nous, le même droit que le président de la République, le même droit que Yonangaï, Cheikh Gabalabala, Mamazandou, Bazaba extra-congolais, et puis moins congolais. Ils sont Congolais. Mais ici, l'exigence de Bango est le bienvenu dans la mesure où Bango déjà a sa casquette na Bango que Bazali Bato, il y a camp politique Moko. C'est ça maintenant le problème. Vous allez vous souvenir ici que quand la CENI, l'organe habilité et compétent, il y a qu'on publie l'élection, l'élection présidentielle, oui, les Kaki. La CENI, qui avait le contrôle de toutes les données, a proclamé le président Félix Tshisekedi comme le vainqueur des institutions. Mais la CENCO, qui n'était qu'observateur, CENCO, elle est juste, en tant qu'organisation, la CENCO, elle est juste observatrice, il y a élection. Elle est juste observateur, elle est bureau, elle parce que la CENI, oh, après ce qui est accréditation, après ce qui est juste 15 000 mancaro. Donc, la CENCO était présente dans 15 000 bureaux. Mais vous avez vu, la CENCO nous emballait dans une confusion. Oui, tu crois que tu es dans Moutou, le loquet. Moutou a gagné réellement l'élection. Et Zali Mokonambo a fait le qui s'est dit, mais Zali Nde, Nde Konabiso, Abina Kamingi, Martin Fayoulou, qui a gagné l'élection. Mais tant que déjà Bomoni na Bandeliwana, vous avez suivi Monseigneur à cet temps, il était encore Monseigneur Ambongo na TV5, dire que le résultat est conforme à la réalité. Pensez qu'il y a déjà couleur politique na Bango. Quand vous voyez les interventions, il y a Sango à tout moment. Bango Bazoara a quand il y a camp politique Moko. Alors quand ils viennent avec ces exigences, qui sont en conformité aussi naba de konabiso ya lamuka danseur tokolobanine ozomo na place ezali ko ya mabe donc mutu oyoyo akoki ko pesa o reproche mais soko tala ka identité ya mutu wana sa cause problème mais to ti pe komona pa basango to moni pe ba to église de réveil ya pe ba uti ko tomboka ba pasteur église de réveil na lobi mama o aza mama oyo mama oyo sakana mukonza na lobi mama oyo afandi na walungu na kipush est-ce que ça a besoin d'élection a besoin d'élection te le peuple congolais n'a pas est-ce que élection besoin de ça la en 2023 non. Le peuple congolais a besoin ya social na yende échanger. Peuple ya beni a na posa élection te. Baza na posa pe kota. Ngayo na zawa na na posa na liaka. Élection sela ma oupa, toza na posa na ngote. Mais, du fait que c'est une exigence constitutionnelle, nous devons aller aux élections pour avoir les dirigeants
au bas de la légitimité du peuple, parce que c'est ça le pouvoir. Pour bien diriger un pays, il faut que vous la légitimité. Le peuple a l'ingayo, le peuple a payé son mandat. Ne vous dirigez pas bien. Mais, et Seigneur, il y a une population, vous allez avoir combien? Il y a des préalables, notamment le recensement. Nous devons aller au recensement, savoir tous à la combien. Tous ont une carte d'identité. Il y a des gens qui ont une carte d'identité. Tous ont une carte d'identité. Tu commences à une carte d'électeur, oh, identité, moi. Non, le peuple congolais, il faut avoir une dignité, une carte d'identité. Les élections, on va voir après. Mais le président de la République, étant garant de la nation, il sait très bien qu'il va. Et puis, l'UDPS ne veut pas les élections. Mon frère, tel que tu vois le climat politique dans son contexte aujourd'hui, qui est ce candidat président de la République qui peut battre Félix Tshisekedi aux élections? Même si c'est rassemble et tout cela, face à Tshisekedi, Félix va les battre tous. Mais le gagnant des élections de 2023, le président de la République, le mari de maman Denise Tshisekedi, présidente de la Fondation Naebe, là où il est, je le salue, le président de la République a les soucis des Congolais d'abord. Azana Posakte Kakaza l'a réélu, mais son plus grand souci, c'est d'aller à mettre dans nos populations congolaises dans la condition de bien. Bato bali ko s'agiter. Poète mouti na bango wa basalara na bango mitoye ki baji wana nyon so zeli ko salama. Na ko yiko loba nyon so wa te. So po lingina lo bango na ko fongo la. Baji nyon so zeli ko salama na ba sango, na ba politiki mousousu. Bazaka ba sango te, bazape na ba pasteur eglise de vepe, a ba uti ko tombo kawa, bango pe ba owele. Yo pasteur nini, to sango nini wa deja ya ote ya obongo na mouti ma. C'est pas ça leur mission, ils ont une mission biblique de gagner le sang pour Dieu. Dieu ne leur a pas ne les a pas demandé yako kota na politique. Non, nzamba tindi ba nga pesa bango mission aller prêcher fête de toutes les nations mes disciples. Ba bongo la mitema ba yebanga bo préparer mitema ba chrétien ba Christo papa mon nzambe. Et non kota obi na politique wana pe miibi bazala ka ebele yebi bango. Yé les hommes na sango moko atele meli moibi awa. Non, on ne voit pas cela. Alors nous à l'île de Pesse nous disons ceci. Il n'y a pas un parti politique qui s'est battu pour que l'État des droits écoute en Mboka Oyo. Et nous n'allons pas marcher sur notre propre combat. Mais ce n'est pas l'UDPS ou le président de la République qui organise les élections. C'est la CENI qui organise les élections, mais financer le financement de la CENI et où tu as rendu le gouvernement qui prépare et qui met le budget pour que les élections aient salé. Molandi na biso mora zola na biso na États-Unis a komeli biso abi ndeko karela zolo ba malamu zolo be la vie sociale kasi tozala ba ndeko na biso kuna bazonyo komo bazonyo kwama social ango ezo changer te tisikoyo basala rara oyo ba mokonza mboka landaka makamba zo ebisaye e pa ba mupe pe asala ba election po tolembi social ango pe ezo sale mate tolembi tokomi na suka. Bon, au moins Ndekouazan a raison, là on ne peut pas le nier, la vie sociale en RDC est en train de se dégrader du jour au jour. Il a raison. Mais Ndeko, ce que moi, quand tu parles, peuple, on aille là, moi, je suis un peuple, je fais partie de ces peuples. Mais jusque-là, Bozo s'appelle. Alors, Toyebi, Mokonzambok, et je vais te dire une chose. Hein. Tu sais, dans tous ces pays, la RDC, il n'y a aucun Congolais qui a les soucis du peuple comme Félix Tshisekedi. Il le sait très bien. Mais vous devez savoir d'où nous venons. Nous venons d'où? Kabila a détruit ces pays. Il a laissé ce pays dans un trou trop noir. On m'a dit, n'habitez ce qui papa caméraman a quoi que soit bidon maillot. On m'a dit maillot. Ce qui bidon ici, maïsi lina moulangue est comme vide. Mais yosiko odota la awa. On m'a dit vide. Mais ce qui naï n'a jamais tendu si maï. Maï et outi et matiti awa. Ate comme yawa. Yo loko lozo mona awa wa orolobara ya maï waneza vide. Mais déjà, moussala malamou et salami. Mais le quoi la moulangere qui vide ma kasi,
Ozomona ndamba mayo ngana bakisité. C'est ça la situation de la RDC. Le pays était dans un trou trop profond et noir. Mais les efforts que le président de la République est en train de faire, malgré Zali Koko, Manaba Tante Nanu à population T, mais Tolongwe quand même de quelque part. Un pays qui a été détruit pendant plus de 60 ans ne peut pas se construire en 2 ans. Mais, na 2 ans, on a, le président de la République a fait des choses, mais les médias, même si on a encore. Le président ne peut pas se construire dans 2 ans. Botikal a combien? Botikal a bambou la bonne. Bon, constitutionnellement, Botikal a 3 ans, mais le président de la République va faire 2 mandats. Mais en 2023, le peuple congolais, mais écoutez, et là qu'on a Batumingi Bazali Kobo Sanengo, le président qui est en train de travailler. Travailler en Botsika na tamouke. Gouvernement Zobima, oui, ma cambo est bomba. Mais je vais d'abord te dire, il faut voir Belokomoko. Le président de la République est en train de travailler. Tomoni basso des moutons, oui, s'il y a, et qui tu as ça qui te quoi, Tomoni. Mais tu as dit qu'il y a comme ça la paix à l'issus. Bukangalonzo ba bomaki yango 280 millions ba yibaki mbongo nango e fana ki bongo sala su elo côté mais soko kesi kona bukangalonzo okomona masangu balonaki e bandi ko bota kala mingi te Kinshasa azolia masangu yamonde social miba 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 na Kasai e kufaki me banje ye premier diamant de jeu bi mina miba e mibe komi ko bizoni ko sala diamant. Diamant et comme Kobi Mawawa, Ezali Koya et Belé. Le président de la République a aussi signé un partenariat et Belé, ville Kitoko et Kotonga Magun. Non, je viens. Oh, c'est très important, il faut qu'on ait dit ça. Bah, entreprise, Ezali Kobotama, Ezali Koya, tu signé un partenariat à Minene, pour Naete, Mboka et Kendeliboso. Il faut encourager de bonnes œuvres. Il faut soutenir. Mais ces bonnes œuvres doivent aussi se faire dans le délai. Le peuple congolais. Non. C'est être malhonnête. Et ces moupes-là, ils sont malhonnêtes. Je vais m'expliquer. Le peuple congolais a fait confiance au président de la République pour 5 ans. Le mandat du président de la République est ça pour 5 ans. Nous allons le juger après 5 ans. Moutouazana a 2 ans pour qu'on juge. Non. Président Azana Dele Naye. Ce qui a ressorti à ma campagne en 2022, et ça y est. Yende bapé qui yo bapé qui yo yo congolais n'a pas qui moupe. Maponi moupe t'es? Bah moi, yo tanga Jean, tu as vu tanga apôtre Paul. On a côté à Sangomalamu, qu'on est pas inhabitant. J'étais en train de dire que le président de la République est dans son délai. Il sait très bien où aller que ça là. Il a tout un programme. Tokoi que ça moi coco somme ok. Et Zalakanango, yo penzo tebe la carrière monko. Aux Arabes, je me suis pas lié dans l'autre, mais le but est qu'on couvre l'lobby. Donc le président de la République est dans son délai. Il travaille. Le peuple congolais doit le faire confiance. Et puis, baye temosa, j'allais que ça la maïbele. Courant, kalaming était bon, on a de laisser n'importe quoi aussi là. Courant, basinga esika, bakal basika ou batier. Et comme il déjà awa on apporte, n'importe qui tu as ça on a mon gafou là. Basinga wana et comme il déjà wana, on va coller outil. Bas y a de n'abusio, mon côté d'amour, quand il a vision mon corps. Quand il nous a dit qu'il va faire de l'RDC l'Allemagne de l'Afrique, il avait raison. Mais seulement. Toti kande politique ko babenga ba pot de banane hein toti la est na 2023 to ya makasi non nous n'avons qu'un seul pays qui est le RDC ça nous appartient tous ceux qui mouningo peuple après ceux qui bokondi botika ya ça là bo accompagner ye ceux qui bokoza na discours mususu mais malam na 2023 peuple a pensé qui bokondi pas fait tout ce qui dit akopona bino mais to bino ba liko linga de peuple on a kufa lelo. Pote baraba tu sais que la suite wana ezali maele ya satana botika bondoki obozali ko sala wana c'est de la pure sorcellerie et puis vous
Bon, d'abord, il y a des mingi. Touti comme on a kalamingi tawa, touti comme on a, nous avons vu que na union sacrée, ndenge bazaya mokonzambo kalobite, makambo salema ki ebele ya lolenge na lolenge kasi na sepeli ya mbala wa boyko za l'égoïste. Habite na ina posa ko sala na bato nyonso. Nous avons vu le chef de l'État a fungoli nzela a créé kutu initiative a malamu likambo to bengi union sacrée. Bato moni ba kongomani ebele ba yi politique mingi ba ye ko adhérer ba adhésion za la ke ebele kasi kala mingi ta toti ko mona lisusu mbilinga mbilinga moko ebota mikati na bisu ka to tozo mona ngo na ba réseaux sociaux ba réalité to uti ko mona awa lisusu ko beba na kati ya ba journaliste ya cash na ba journaliste ya union sacré na ba journaliste ya kaya katumi likambo ngo za lisusu ni union sacré ba benga ki bisu ko misu ya ko beba na boy ya ko ko panza na ka bino na bino ka likambo ngo za ni bon à cette question je vais d'abord corriger là où tu as dit les journalistes de cash les journalistes de l'ensemble le pro katumbi les pro. Un journaliste n'a pas de couleur ou un journaliste n'est pas censé avoir de couleur. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons ici à Kinshasa, à NRDC. Et comme le journaliste Moussouza, un journaliste qui se réclame, moi je suis pro-Katumbi. C'est ce que nous condamnons et détestons. Ce sont ces genres de réclamations qui ont été faites. Oui. Il y a un lobby. Journaliste, Azali Mototé, parti politique, un journaliste, Azali Mototé, il est censé que ça neutre. Mais il faut garder neutralité et la question est que, au bout, il y a un monde qui est un peu solo. Ceux qui ont moni et Katumbi ont raison. Le bas est librement. Mais toi ne te fais pas utiliser par Katumbi pour te détruire moto. Wanande Zali Mabe, déontologie journalistique et pekisi yango. Toko loba mingi te momosala na biso ya kupanza sangwe zali mosala moko ya tina. Le journalisme est un métier noble, alors nous demandons aux journalistes souvent d'être conscients de ce que vous faites. Le chef de l'État est là pour propulser le pays. Alors il ne faut pas chercher à mettre les deux bâtons dans le repos, beau compliqué. Lorsque vous essayez de mettre les deux jambes dans une même jambe de pantalon, beau compliqué, makam. Faites le travail comme il faut, to songa mokonzi ya mboka. Évitez ces histoires ya kolanda ka bakonzi ba pesa kabino ba mbongo po bozwa ka bolo ba mabeli koloa. On vient de le dire tout de suite, le président de la République est une institution. A ozolo ba makambo, yeba ete makambo ozolo beza makambo ya solo to te boya kapena information a mibimbate. Ça fait notre honte. Mon mboka Karel nangili susu to lobela. Eloko moko isu ya motu ya mingi oyo bato bazwa mikutu libanda baza ko komituna bato ba internet na biso batuni biso bazolinga bayeba yango likambo nini yango eloko nini ezo retardé gouvernement na biso to moni nde ko sama lukonde o mokonza mboka oti ko ponawa ale ki a lobi ba projet na ye je vais veiller tout ça la jeunesse y aura la jeunesse tout ça a promettre kututi a strict respect ya kote a 30% eza prévu na constitution pour na ba femme mais jusque là tozo mona gouvernement tisikoyo ezoume to ebite likambo ango nini to landa boye ba parti politique to landa boye koswana to landa boye kowele la bokonzi est-ce que on est là pour le pouvoir ou soit pour faire en sorte que ce pays développe yango likambo nini yango ezo freiner makambo ya gouvernement merci beaucoup moni pona gouvernement il faut to apaiser population ba politiciens surtout ba journalistes lelo ba komi vraiment ko hein et comme même comme ça monter ma passe. Le gouvernement sort bientôt, je pense avant la fin de cette semaine. Le gouvernement Kobima, on a connu ça, ils ont bon partout dans le monde. Mais contexte politique na bisonde, ça peut être bizarre hein. Mais le gouvernement sort bientôt. Même si certaines personnes, là il faut le dire, nous avons connu des problèmes parce que ces retards parce que beaucoup de politiciens au début ba yakina bolingo union sacrée mais après ba comme ils ont réclamé plus hein, on peut si mutu 5 points sotenga lingi 8. On a vu Ndekonabiso Katumbi payer même son jet arrivé à Kinshasa pour réclamer 8 postes. Batebele. Alors le président de la République a bien dit bon, il y a une vision naïe. Quand vous acceptez d'adhérer à l'Union sacrée, vous acceptez d'adhérer à la vision du président de la République qui est
l'auteur ou l'initiateur de cette vision-là. Motuna abiso sugo eza oyeba pontan tan mboso mokomona mboka mboso alobiete ba député ba lobeli population ba bima na ba groupe wana. Donc okufa bande kona biso ba kufa na est bande kona bazomi na kati. Pontan motolandi maloba na bien na polele et pesa ki kutu ba réaction to moni ba député misu ba réagir ba pandisango pe misu ba lobeli ngona ndenge na bango. Siko yo yo pesa biso na maloba na yo ya solo bazomaka na kati ya makambo wana tote. Bon, c'est pas une première. Hein. Le président Mbosso n'a fait que dire, tout haut, c'est que beaucoup de Congolais disent tout bas. Et puis c'est sur base de rapports, de plusieurs pays occidentaux et puis surtout de nos services de renseignement. Mais c'est connu aussi que groupes armés wana bafana akarata bazwa minduki wapi. Bana on a 17 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans. Bazora minduki wapi. Et yebani keza na bato ba pesa bango minduki wana. Et yebani keza na bato ba finansaka bango pesa ba yeka ko ravita e bango. Po ba bo marabiso. Banda ko bele bozo mon eto emba ba immeuble ba 5 niveaux, ba 10 niveaux dans la capitale là. La biloka ba makila ba congolais na est du pays. C'est connu de tous que ba guerre o ezala na est kuna ezala ka financer et puis alimenté par nous-mêmes, Congolais, avec la complicité de certaines puissances et forces étrangères. Donc, le président Mbosso n'a fait qu'interpeller les députés qui sont dans ces pratiques. On dit en français, qui se sent piqué connaît l'affaire, et qui se sent mauvais, c'est mouche. Bon, ceux qui n'étaient pas là, donc ce sont ces gens qui se retrouvent dans ces pratiques là qui se sentent piqués, qui se sentent concernés. Mais le président Mbosso, et puis c'est l'intention du président Mbosso n'était même pas aussi de taxer directement ces députés. Non, il a interpellé ceux qui se retrouveront dans ces là ou ceux qui seraient dans ces pratiques là batika yango balinga peuple hein balinga peuple yo moko sala ono ndenge ni donc zo liambonga motoki ya batu bakufaka nga une fois na moni mwana moko avantir ba tuko bo mama na ena est na leli ba momi mama na ena est mwana balala ki mwana chiko ala muki na tongo mama za deje bembe bakati ye kingo mwana yebite ke mama kufi mwana zali ko tete. Maman a koufa, mais moi, je suis à Longoli, maman est à Mbaba, na kotete. Mais à l'autre tete, bébé, na yo ki moté ma passe. Maintenant, parce que moi, na bongo, mais ezali na bande, je suis à Congolais, je suis à Boma bande ko bongo. Ce sont des choses à condamner. Ah, mutanga mbo me soki batanda kuna yo moko bazobundisa bitumbane sila kanokite otikimbongo na ndako bayibi otikimbongo na cuisine bayibi otena nsambe tu bayibi parce que le voleur est dans la maison, c'est ce qui détruit. Donc le plus grand combat et dangereux combat, c'est le combat qui se passe en interne. Voilà pourquoi on a du mal, mais avec de nouvelles stratégies que nous avons guerre na est aussi là. Et puis l'intention du président Mbosso était d'interpeller ces gens et de leur dire ce qui justice est approuvé que député Kingani azali na kati ya makambuana toko protéger était. L'Assemblée nationale ne va pas protéger de meurtriers, l'Assemblée nationale ne va pas protéger des ennemis du pays, l'Assemblée nationale ne va pas protéger des hypocrites députés. Ouais. Donc c'est ça le fond de la pensée du président Mbosso ces jours-là. Il y a solo Zalaki Bongo maloba ko uta epa ya mwana mboka Karel yepe azali ko lobela biso bongo lobela biso na Mozindo kati na makambo mansoza koleka na mai etali politique. Et le Kobiso Tokosenga était tolobi été. Le changement est un processus. Ce n'est pas une chose qui se fait d'une manière inopinée. Ça vient avec le temps.
laisser le président Félix Tshisekedi faire son boulot. Au fur et à mesure qu'on évolue, les choses vont changer. Ce n'est pas brusquement comme ça, on a un clin d'œil, que les choses vont changer. Arrêtez de lui mettre le bâton dans les roues, sinon il ne va pas évoluer. Notre pays non plus ne va pas évoluer. Soutenons la vision du chef de l'État, soutenons l'Union sacrée et travaillons en collaboration avec les chefs de l'État pour qu'il y ait un changement. Bah député, bino balobel na biso. Bokeyi assemblée provinciale kuna bo déposer pétition bino moro bel souko voter pour nango. Boti conseil sa biso bagé. Bo sala musala na bino. La RDC est notre pays, soyons conscients de nos actes et de tout ce que nous faisons. Merci pour nabino ba bolandi biso bi pa union so bozoma ki bolandi biso na poto mboka nyoso tu bolandeli biso boza ba congolais bo sambela kapona ekolo na bino pe nzambe ya kotika te ko pambola biso na sengi ete tokomona na naibi ete tokomona na mikolo ezali koya bo bosana te ko eme ba video na biso ko partager ko kota pe na mamozino ko ke na page Facebook na biso na Twitter soki ba remarque ezali ba makambo ebela ko lobela bo ko bela ba biso ndenge bo mesana e ko kareto na peso pe mbala moko li lobaisa na lingaki na pesa mokonzi ya chaîne oyo yambi ngai lelo une chaîne que na la rappelle mingi na YouTube la chaîne Mama Mama Kati Kati Kapesa à partir ya États-Unis na mboka Boston et sika azali mama na pesio mbote merci pour na ba initiative na yo azali ko sala pour na jeunesse congolaise et puis pour na mboka na biso kende liboso na pesi mbote na ba journaliste ebele oyo bazali na kati ya chaîne oyo Kati Kapesa. Je remercie également, je salue Batutu Bali Kolandabiso na Nandaku, présidente Dani Bokombe Tsunami, la présidente de la Fondation Pacifique DB. Je salue Maman Paradis Judith Pela et Sigazali. Je salue tout le monde. Puis notre caméraman qui nous a fait de bonnes images. Ozali Mbala Misatu, je pense à filmer Ngalelo. Vous me voyez toujours beau comme ça. Le nom m'échappe même. Mais Neko Chris, Kims, je le salue. Et puis donc Mbote, je pense que nous allons nous retrouver prochainement. Mais seulement ici, j'interpelle nos amis journalistes. Travaillez pour le pays. Travaillez pour le bien-être de la population. Arrêtez de vous faire utiliser comme de petits margoulins. Arrêtez de vous faire utiliser comme de petits enfants. Avoir 9 000, 10 000, 15 000, 1 000 dollars, c'est rien. Mais la vie des Congolais, bino, dans ma discours, bino, incendiaire. Vous allez que ça au péril, Dieu ne va pas vous pardonner, même après votre mort. Là, je vous maudis même. Journaliste Nyonso Oyo, Azo Liambon, un politicien, pour te ennuire, dans ma action, un chef de l'État, vous êtes maudit. Je l'ai dit en tant que serviteur de Dieu, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, c'était là notre frère Karel Kasembe. Ce sont donc des analyses qu'il venait juste d'établir là et d'exhiber devant vous. Nous vous prions juste de prendre conscience de ce que vous êtes censé faire, vous les autorités, et surtout pour la bonne marche de notre pays. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir sur ces très bel cadre et dans notre émission dénommée Couloir politique. J'espère vous revoir au prochain numéro. Mes salutations à Mama Kati Kapesa, la boss, ma patronne de loin aux États-Unis, et je salue tous mes collaborateurs. Et merci beaucoup à Kims, celui qui a réalisé cette émission. Et nous vous disons ciao, à la prochaine. Kati Kapesa TV, Kati Kapesa service traiteur, chef Kati Kapesa en États-Unis. Sai yoga si tu es valide pour mon koi Kati Kapesa TV. Tu as pas la Congo Kati Kapesa TV. C'est là où je vais prendre Kati Kapesa TV. Kati Kapesa TV. Tu as dit que soufi si comme camion tala ma caméra est trop bien belle et balouki kolobate musique n'a parlons pas. Oyo kinzala, kobanga bangate, na etazini mobimba, esi ba valida. Baebi kante mikondo ya kala, nini mo esalaka ke mikondo ze kolete. Etazini mobimba, esi ba valida. Pona mangage na yo, neko kobanga bangate o. Service traiteur Kati Kapesa ye kopesa masolo. Motema leo somme,
kapesa ye asololaka bien soko kutani na ye okozala desite katika pesa ye na pesa yo nini ye katika pesa ye motema malamu katika pesa ye c'est na kato etanyo su etazini esibandini Kangi Masolo, Madame Katika Pesa, Service Traiteur Katika Pesa, chaîne YouTube Katika Pesa TV. 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 Petite sœur propre, petite sœur chérie, y'a madame Eliane Nito, la patronne, y'a service traiteur, la providence à Paris. Olingoli Angulu à Capella, Ntaba ya Matongue, restaurant Katika Pesa, service traiteur Katika Pesa, pour la mariage en Abino, Bossa la commande, Bokosa la dessus terre, Yunan Yoboya, madame Katika Pesa, Mote Mamalamu, Yuta ya Nzambia. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV.